étant donné que j'ai visité le musée de Visby là tout à l'heure, je vais quand même vous parler de Vikings, parce que l'histoire du Gotland, elle va bien au-delà du Moyen-Âge. Ça commence déjà avec des découvertes de tombes et des premières populations qui sont installées là 9000 ans avant Jésus-Christ, donc vraiment ça remonte à très loin. Mais on a retrouvé surtout énormément de traces de vikings sur l'île, puisque le Gotland était le centre viking d'Est. Alors il faudrait d'abord se poser la question sur ce qu'est un viking. Alors on pourrait se dire que les vikings, ce sont tout simplement les gens qui habitaient dans le nord, qui avaient la même culture, etc. Mais c'est un peu à nuancer, parce que déjà la même culture, ça veut dire quoi? Alors tous les vikings ne parlaient pas la même langue. Ici sur le Gotland, il y a une langue particulière écrite dans le temps qui existait, qu'on appelle le Gotlandais. Et du coup cette langue, elle a persisté jusqu'à aujourd'hui, donc il ne s'agit pas du tout d'un dialecte suédois, c'est vraiment une langue à part, qui aujourd'hui d'ailleurs, ça c'est une petite anecdote pour les linguistiques, c'est la seule langue au monde qui était écrite dans le temps, mais qui aujourd'hui persiste seulement orale. Donc les gens ici sur le Gotland, ils parlent le gotlandais, donc ça ressemble vachement au suédois, mais ça mélange quand même pas mal de mots du danois, de l'allemand. Et donc finalement les vikings, c'est qui? Les vikings, c'était surtout des gens qui habitaient autour de la mer Baltique, plutôt dans son centre, donc surtout le Danemark, la Suède, un peu la Norvège, le nord de l'Allemagne un peu. Et ce sont surtout des gens qui avaient les mêmes croyances, donc ils croyaient les mêmes dieux, plus ou moins les mêmes dieux, puisqu'on sait qu'il s'agit d'une religion polythéiste où il y a eu beaucoup de dieux différents. Mais les vikings en tout cas avaient certaines coutumes religieuses qui étaient assez semblables. Et donc si on s'intéresse plus particulièrement aux vikings qui habitaient le Gotland, donc ces régions ici, vous connaissez sûrement la série Vikings qui a eu un succès énorme ces dernières années, avec Bjorn, avec Ragnar évidemment, etc. Et en fait il ne s'agit pas du tout de ces vikings là. Ragnar et toute sa compagnie, ils étaient surtout attachés à la région du Danemark. Ils ont notamment causé pas mal de dommages à l'Europe au Moyen-Âge, au tôt Moyen-Âge, donc c'est-à-dire vers le 4e, 5e, 6e, 7e siècle. Alors que les vikings qui vivaient ici sur le Gotland, ils étaient beaucoup plus connus pour les quêtes qu'ils faisaient à l'intérieur de l'Europe, et notamment sur la mer Méditerranée, parce que oui, ils ont réussi à traverser l'Europe sur leurs bateaux, sur leurs drakkar, à travers les rivières pour rejoindre la mer Méditerranée. D'ailleurs, petit spoil, attention, pour ceux qui ont regardé déjà la 5e saison de Vikings, Bjorn, à un moment, il arrive en pleine mer Méditerranée en faisant le tour de l'Espagne, et il rencontre des gens qui connaissent déjà les vikings. Ils leur disent, oui, on connaît très bien les Normands, les vikings. Ce sont les gens qui sont arrivés justement par les rivières, et il s'agissait justement de ces vikings-là, donc des gens qui habitaient le Gotland et plus la Suède, qui faisaient la traversée de l'Europe sur leur drakkar à travers les rivières. Ces vikings donc, qui ont causé pas mal de problèmes à la jeune Europe du Moyen-Âge, en France notamment, ils avaient surtout une posture assez forte. Donc on peut regarder encore aujourd'hui un Suédois typique, moi je fais 1m80 et à côté je parais vraiment petit, c'était des gens vraiment costauds. C'est pour ça qu'ils étaient aussi connus surtout pour être recrutés, et pas seulement envahir, mais pour être recrutés dans les armées européennes. Jusque la Méditerranée, en fait, il y a des princes qui payaient des gens d'ici, donc des vikings, pour qu'ils se battent à leur côté et pour qu'ils leur gagnent des territoires et des guerres. Alors c'est vrai que ça se fait de moins en moins de nos jours, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, si je vous dis viking, vous avez sûrement pensé à un gars barbu avec un casque de corne. Alors c'est vrai, oui, donc le casque de corne est à relier avec les vikings, mais pas du tout dans un usage commun. Donc nous on voit toujours, alors cette image est immaculée par les BD, par les films, etc. Alors qu'en fait il s'agit juste d'un seul gars retrouvé avec cette espèce de casque à cornes. Et on pense surtout que ces casques-là servaient plus de casques rituels, donc pas du tout pour faire la guerre. Alors que voilà, donc un guerrier viking de tous les jours, il avait plutôt une tenue normale, je dirais, de guerrier, sans aspect particulier. Qu'est-ce qu'on sait en tout cas du coup des Vikings? On sait déjà que c'était une communauté polythéiste pendant très longtemps, parce que l'Europe est devenue très vite chrétienne au début de notre ère, alors qu'eux ils ont persisté notamment par le fait qu'ils étaient connus pour être guerriers, et donc l'Europe avait vraiment une peur de ces gens-là. Alors c'était du coup difficile de venir jusqu'ici pour christianiser. Ce qu'on sait d'autre sur les Vikings, et ce dont on est sûr en tout cas pour le moment, c'est que les femmes en tout cas avaient une place beaucoup plus importante que dans le reste de l'Europe pendant le Moyen-Âge, vu qu'ici elles étaient guerrières aussi. On retrouve notamment beaucoup de tombeaux guerriers de femmes. C'était le cas aussi chez les Slaves dans l'Europe de l'Est, mais beaucoup plus en tout cas ici, donc dans le nord de l'Europe. Ce qui est très particulier, parce que même si les autres pays de l'Europe sont devenus chrétiens, la femme finalement n'avait pas vraiment beaucoup de place au sein de la communauté, alors qu'ici les femmes pouvaient être donc guerrières déjà. Alors une autre chose qui est très typique des Vikings, c'est évidemment l'attachement qu'ils avaient à la mer et à leur drakkar. On pense souvent que les enterrements des Vikings se faisaient surtout sur un bateau, le truc typique qu'on connaît tous des films où on tire une flèche et le bateau brûle à la fin. C'est vrai, ça se faisait comme ça, mais on retrouve notamment ici sur le Gotland beaucoup de tombeaux de Vikings sur sol, donc au continent, mais qui évoquent malgré tout par leur forme la forme d'un bateau ou d'un drakkar viking. Alors un motif qui revient assez souvent dans l'art viking, et donc les représentations qu'on retrouve aujourd'hui, c'est la svastiga, c'est la croix gammée, que l'on connaît aujourd'hui surtout parce qu'elle a été reprise par les nazis, et donc, du coup on se réfère vite à Hitler, etc. Mais il faut savoir que la svastiga, c'est un signe qui est utilisé partout dans le monde, notamment dans les cultures asiatiques, mais bien avant cela aussi chez les Vikings. Alors c'est une croix gammée à beaucoup plus de gras que celle des nazis, donc celle des nazis elle en a 4. Celle des Vikings, elle forme un cercle complet. Donc il s'agit exactement du même signe qui était censé porter bonheur et prospérité à la communauté ou aux personnes qui la portent.